Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine. Et aujourd'hui, trésor du Piten cœur noir. Donc pour ce bras de fer, aujourd'hui, nous choisissons la classe, mais encore une fois, nous ne choisissons pas le deck, donc comme les bras de fer précédents. Hein. Et dans notre deck, il n'y a qu'une seule carte. C'est la carte, c'est un pirate 2-3 pour 2 de mana, si je ne dis pas de bêtises. Et au début de chacun de nos tours, on va avoir le choix entre trois cartes. Donc un peu comme la carte chasseur pistache, on va avoir trois cartes et on choisit l'une d'elles que l'on ajoute à sa main et donc que l'on pourra jouer par le futur. Donc on va essayer de construire un board et de gagner la partie comme ça. Donc pour le bras de fer aujourd'hui, je vais jouer prêtre. Donc prêtre, je le joue pourquoi? Parce que son pouvoir héroïque a une énorme influence sur le board. Je pourrais trade un pirate et le heal, comme ça ce sera à nouveau une 2-3, alors qu'en face il aura une 2-1, ce qui me fera un trade gratuit. Je pense que c'est une des meilleures classes pour ce bras de fer. Également, en bonne classe, il y a mage druide voleur qui font un dégât, donc qui permettent de trade directement le pirate avec son pirate plus le pouvoir héroïque du coup. Et là, on va jouer prêtre et on est parti. Donc, recherche d'adversaire, comme d'habitude. Petit adversaire honorable pour changer. Allez, la petite roulette russe, évidemment. Et on est parti. Et nous jouons un prêtre aussi. Donc, face 0-1. Peut-être qu'il a eu la même idée que moi. La lumière Pour le brille deck, sur les on n'en justes. sait rien. Du coup, là dans la main, vous voyez, j'ai 4 pirates de 3. On va tous les enlever. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est pour le fun. Vu qu'il n'y a que des pirates dans notre deck. Et on a la pièce, ce qui est pas mauvais, comme ça je pourrais faire pièce pirate tour 1 et avoir un avantage assez conséquent. Alors, donc là j'ai le choix entre Folie de l'ombre. Robot réparateur et corrupteur de l'aile noire. Sachant que j'ai très peu, enfin que j'ai pas beaucoup de chances de choper un dragon ou un mecha qui combattrait avec le robot réparateur ou le corrupteur, je vais choisir la folie de l'ombre. Surtout que la folie de l'ombre sera utile sur les pirates pour faire des trades. Du coup, assez gratuit. Et là, on va pièce pirate. Alors, notre ami va jouer. En fait, contre prêtre, là, c'était peut-être un misplay de pièce pirate. Parce que si j'attaque son pirate et que je heal le prochain tour, je fais rien d'autre pendant le tour. Je gagne rien et lui pourra heal son pirate le tour d'après. Du coup, c'était sans doute une bêtise d'avoir fait ça. Ok, donc lui aussi me joue un pirate. Hein. Donc ça, ce pirate, ça a les mêmes stats, la même tête comment ça s'appelle? Que le mousse qui gagne les dégâts d'attaque de l'arme dans le jeu Hearthstone normal, mais là, il n'a pas d'effet. Hein. Vu que c'est pour le bras de fer. Du coup, la lumière des Naru, ogre magie ou championne sacrée. J'hésite entre la lumière des Naru et la championne sacrée qui sont tous les deux des très bonnes cartes. La lumière des Naru, j'en aurais peut-être pas l'opportunité de la jouer vu que mes créatures n'ont que 3 PV. Donc je vais plutôt favoriser la championne sacrée. Bon, on va jouer un deuxième pirate et on va aller dans la tête. Là, ça sert à rien de trade. Enfin, à part perdre ma créature, donc ce qui m'intéresse pas spécialement. Vu que ça me mettrait assez en retard dans le match. Donc là, comme à chaque fois, on a le choix entre les trois premières cartes au début de notre tour. Les damnés se tiennent prêts. Très bien, il a eu un sombre sectateur, donc c'est vraiment une bonne draw. Travail terminé. Réfléchissons. Avec le feu intérieur. Directement trade. Ah, c'est assez
assez dur comme choix. Je pourrais prendre le feu intérieur pour l'utiliser sur un pirate et ainsi trade gratuitement son autre pirate plus le heal. Mais après, ça reviendrait à rien parce que je traderais gratuitement avec son sombre sectateur. Ouais, j'ai pas de play. Ouais, j'ai pas de très bon play. Du coup, on va quand même prendre le Yeti mécanisme. Choisir vite. Un ordre de pas mauvais pour le prochain tour. On va heal notre pirate évidemment et on va trade le sien avec les deux qu'on avait sur le board. Donc, prochain tour, on a 3 tours 4. Ou alors double pirate, donc est-ce qu'on aura un bon tour 4 normalement, sachant que le Yeti est un des meilleurs tours 4 dans Hearthstone. La championne sacrée, je pense que je préfère la garder pour le tour 6, où je pourrais directement la booster en 5-5. Oh. Oh. C'est pas dégueulasse ce qu'on nous propose ici. Bombe de lumière. Si je fais un clean de board, moins intéressant sur ce bras de fer vu que les pirates ont moins 2 d'attaque et 3 de défense, du coup ça n'en tue aucun. Et la confesseur d'argent palétresse. Je pense que c'est le plus logique à prendre le confesseur. Et du coup, là on va jouer la folie de l'ombre. Parce que si on regarde son sombre sectateur à 2 points de vie. Il n'a pas eu le tour d'après. Du coup, si je lui Shadow Madness, pardon, Folie de l'ombre, je peux le prendre, le suicider sur une de ses créatures et ainsi buffer mon propre pirate en 2-4. Et du coup, qui ne sera plus tradable par le pirate restant qui est sur son bord. Après, je suicide le sombre sectateur sur son pirate. À 13 sur une de 4 et on va aller face du coup car on n'a pas d'intérêt à trade. Il me dit bien joué, je sais pas ce qu'il a. Enfin bon, peut-être qu'il a bien aimé le move de la folie de l'ombre, c'était rien de bien exceptionnel. Alors que va-t-il jouer? Notre ami Stazoïde. Et là, j'ai un meilleur board que lui. Je trade gratuitement son board, donc ça, c'est assez Les dieux intéressant. se tiennent prêts. Ah, un autre sombre sectateur. C'est assez embêtant quand même. Là, je pense que je vais jouer le Yeti mécanique si j'ai rien en. Travail terminé. J'ai rien en. Comment ça s'appelle? À prendre dans la main. Et là, j'ai quelque chose apparemment. Que je 1, 2, 3, 2, je pose 5. Donc là, on va prendre la lumière des Naru. Notre pirate est une 2-6 avec le buff du sombre sectateur. Je réfléchis à comment je vais faire le trade en fait. Enfin, si je lumière des Naru, moi, sur ma tête. Si je lumière des Naru, mon pirate, c'est la grande question. Donc là, il reste. On doit choisir vite. Maintenant, je pense que je vais plutôt lumière des Naru, mon pirate, parce que contre prêtre, je suis pas pressé de me heal. Donc je vais heal mon pirate pour qu'il remonte à 6 PV. Et du coup, il me reste 2 de mana, donc je vais jouer un pirate normal. Une, deux, trois. Donc là, pour l'instant, sur le board, je suis pas spécialement mal. Je suis pas à 30 HP. Du coup, ça me permettra de buffer mon garde lumière, sauf s'il a trade sur ce tour-là, avec son sombre sécateur. Enfin, sectateur. Et apparemment, c'est pas sur quoi il a l'air de s'orienter. Du coup, ça m'arrange. Le prochain tour, j'ai un très bon championne sacrée plus heal. Travail terminé. L'ombre fiel il sert à rien parce que dans mon deck j'ai que des pirates donc on s'en fout un peu. Le Grunt Loup de Givre, pareil. Et le soin rapide également, ça ne nous intéresse pas du tout. Et bon, on va quand même prendre le soin rapide.
vu qu'on a on a rien de mieux à nous est proposé. Donc comme prévu, là on fait le play champion sacré. La question c'est est-ce qu'on trade avec la 2-6 sur la 3-4 et on la heal, ou est-ce qu'on se heal face? Est-ce qu'on est obligé d'avoir 2 points de dégâts dans le centre du spectateur? Je pense que c'est mieux quand même. Du coup, on va faire le trade. On va heal cette créature. Du coup, on aura une 5-5 et une 2-5. Pour l'instant, il peut pas la trade avec son sombre sectateur. Et mon board est plus puissant. Donc, je suis plutôt bien dans la partie. Il faudrait pas qu'il me pose une trop grosse créature et qu'il la buffe avec le sombre sectateur. Sinon, ça ferait mal. Parce que j'ai rien pour la gérer. Prochain tour, s'il a pas un board trop solide, je vais directement claquer Pétresse. Il permettra d'invoquer un légendaire, donc le tour d'après. Enfin, j'espère en tout cas. Une pose du board, du coup je serai obligé d'attendre le tour 9 pour la jouer. Et bien il claque un mode nombre mort, donc c'est toujours ça de prix qui claquera pas sur le confesseur d'argent Patrès. Bien il est trade. J'ai un trade gratuit sur la créature. Avec ma 2-2, il est à l'ab. Là ça m'arrangerait qu'il pose un pirate parce que son pirate sera 2-6 et sera pas spécialement menaçant par rapport à ce que j'ai dans la main. Donc là il touche la carte de droite, la carte du milieu. Il le heal à la lumière des nains rouges. Je pense pas que ce soit une très très bonne idée. Là du coup, prophète Vélen. Règle du crépuscule, vision télépathique. Le drink du crépuscule sera pas trop utile parce que j'ai pas beaucoup de cartes dans la main. Après, ça me permet de trade gratuitement son sombre secteur. Vu qu'elle a 4 d'attaque. La vision télépathique, on s'en fiche un peu dans un bras de fer. J'ai pas envie de récupérer un pirate. Le prophète Vélène, j'ai un soin rapide, ça peut me heal à 10. Après c'est une 7-7, donc niveau board c'est vraiment bon. Je pense que je vais plutôt m'arrêter sur le prophète. Mais je vais peut-être pas jouer directement. On va choisir vite. Okay. Je vais heal ma créature. Je vais trade. Yeti mécanique et je vais soin rapide ma créature. Là, je vais juste essayer de développer le board et de le dépasser comme ça pour qu'il soit toujours en retard sur le board et du coup qu'il joue en fonction de mes moves, du coup qu'il a la pression et pas que je joue en fonction de ses moves. Là, je suis pas mal, j'ai 2 points de vie de moins que lui, mais bon, un prêtre contre prêtre, sur Hearthstone, prêtre c'est pas une classe à burst, donc c'est pas inquiétant d'être un peu en dessous niveau HP. Là, faut juste conserver le board, à chaque fois gérer son board, essayer de faire du card advantage. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Palétresse, en invoquant une légendaire, du coup, qui ne pourra pas gérer et à force l'épuiser. On peut pas trop deviner ce qu'il a dans la main, vu que, bon, avec le bras de fer, j'imagine qu'il a au moins 2 pirates, si je dis pas de bêtises. On va choisir vite. Donc là il trade et il heal, donc ça c'est ce qu'on fait à chaque tour. Et il ne joue rien. Ça c'est intéressant. Du coup là j'ai flamme sacrée, ingénieur novice, feu follet. Ingénieur novice me sert à rien. Pourquoi? Parce que dans mon deck j'ai que des pirates. Pirates c'est pas ce que j'ai envie de voir dans ma main. Feu follet, bon c'est une carte, on s'en fiche un peu. Donc on va prendre flamme sacrée. Surtout que flamme sacrée combatte très bien avec le prophète Vélène. Du coup là on va jouer le pirate. 6, 5, 2, il lui reste 2. Si je trade comme ça, 2, 4. Ok, donc là je vais faire le trade avec le Yeti mécanique sur le sombre sécateur. Pourquoi? Parce que je suis moins sensible à la Nova Sacrée. Parce que si j'avais fait le trade avec la pirate en la healant avant, elle aurait été à 2 PV et du coup sensible à la Nova Sacrée. Alors que là,
Je suis hors de portée de Nova avec toutes mes créatures qui ont plus de 2 PV. Même si je perds 2 dégâts face, comme j'ai dit, c'est pas une course au DPS en prêtre contre prêtre. L'important là, ça va être de faire du card advantage à chaque tour. Et à partir de ce tour-là, en plus, c'est là que ça va devenir intéressant parce que je vais jouer Palétresse pour invoquer un serviteur légendaire aléatoire. Travail terminé. Très bien. Du coup, là, j'ai le choix entre Esprit Divin, Sol Flac, Prophète Vélen. Franchement, pour un rite, on pourrait jouer un deuxième Prophète Vélen pour que notre flamme sacrée tape à 20. Vu qu'avec double Prophète Vélen, elle tape à 20, et bon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Je pense plutôt, du coup... je sais pas trop sur le coup. J'hésite entre Esprit Divin et Prophète. Parce que le Sword Flap, on s'en fiche un peu. Il a des moins bonnes stats que le pirate qu'on pioche tous les tours pour autant de mana. Je dois choisir vite. Du coup, on va prendre le Prophète Vélen, j'imagine. Ouais, c'est le mieux. C'est le mieux qu'on aura pour le board. Mais on va être obligé de claquer la flamme sacrée directement sur le Kraken. Ça va pas se permettre de jouer par les 13 créatures qui. La trade directement. Voilà. Et on ne heal rien vu qu'on n'a pas perdu de vie, ni notre créature, ni nous. Donc on passe juste le tour. Là, au tour 10, ce qui est intéressant de faire, s'il me pose une grosse créature, c'est Palétresse, pouvoir héroïque, plus remonter Palétresse pour la rejouer. Très bien, Personne ici a eu pas les presses, j'espère qu'elle va pas récupérer une légendaire trop mal. Sa place est dans un musée. Harrison Jones, en plus c'est bien en vogue en ce moment avec la Ligue des Explorateurs. Et il avait 4-5. Du coup 4-5, 4-5 plus Nova Sacré. Je peux la tuer. Avec le prophète je peux. 4. Embêtant, j'ai rien pour la gérer. Du coup, je vais à mon tour jouer la confesseur d'argent palétresse. Et c'est le pouvoir héroïque. Et attention, qu'est-ce que tu nous invoques? Ah, du coup, ça lag. Fugen, je sais plus, c'est Fugen. Bien donc joué. 4-7, donc il trade gratuitement Harrison Jones. Mais le souci c'est qu'il ne trade pas la Palétresse. Du coup, si je la laisse comme ça, le board Palétresse, ma Palétresse va directement mourir. Du coup, je vais la remonter dans ma main. Comme tu avais dit le tour d'avant, c'est le plus safe pour essayer de faire du card advantage avec mes légendaires et essayer de récupérer une meilleure légendaire au tour prochain. Donc là, il va obligatoirement utiliser son pouvoir héroïque pour en invoquer une. Hein. C'est le but de l'exaltation de la carte. Du coup, ce qui lui laissera 8 de mana. Avec 8 de mana, il peut faire vraiment énormément de choses. Là, du coup, ça me met vraiment mal. Je pensais pas qu'il avait pas les tresses. assez embêtant. Que va-t-il jouer? Un prophète Vélen. Je sais pas du coup si les cartes qu'il nous donne sont les mêmes pour les deux joueurs ou c'est complètement aléatoire. Mais si c'est aléatoire, c'est quand même assez drôle. Et Chromagus. Car c'est... Chromagus ne fait pas spécialement peur parce que les cartes qu'on a au début du tour ne sont pas les cartes piochées. Vu que Chromagus double les cartes que l'on pioche. Et là, si j'ai compris, on ne pioche plus de cartes. Là, on avait juste donc les trois cartes du début et on ne pioche plus aucune carte. Bien. Chromagus lui fait juste un énorme board. C'est quand même embêtant. Jeu d'esprit, ça me sert à rien vu qu'il n'y a que des pierres dans le deck, on le répétera jamais assez. Ombre fil, ça me sert à rien parce que je ne pioche plus. Du coup, rejetons des ombres, voilà, on n'a pas spécialement le choix. Et là, on va jouer du coup Palétresse. On va jouer Palétresse. On va trade Fugen dans
Harrison Jones, again, et donne-nous une légendaire de ouf. Allez. Bienvenue au grand tournoi, champion. Ouais. C'était pas ce que j'espérais. Ouais, en fait, c'est vraiment pas intéressant sur le coup, le justicier pur vrai. Avec 6 d'attaque, elle trade rien, il va sans doute me la trade avec le prophète Vélène ou Chromagus. Surtout que son heal, bah, il a 4 et non plus à 2, grâce au prophète justement. Du coup, il va toujours avoir sa paltresse alors que la mienne va décéder sur le tour, j'imagine. Alors, que va-t-il nous faire? Et surtout, comment va-t-il le faire? Là, ce qui me met mal, enfin, ce qui lui permet de gagner la partie, c'est juste l'inverseur, en fait. L'inverseur qu'il a eu grâce à mon Yeti mécanique. Parce que sinon, j'aurais déjà trade mon professeur Panitresse depuis belle lurette avec mon Fugain. Aurait-il l'étal? Si la flamme sacrée, il a l'étal. Quand même. Très bien. Lui, il hésite pas sur les légendaires. Attaque mentale, très bien. Et avec le prophète Vélène, du coup, mais qui est boosté à 10. Et c'est la défaite. Alors, très bien, recommençons. Petite humiliation. On va juste changer de classe. Ouais, on va jouer paladin. Paladin, c'est drôle, paladin. Hop. Nouvel adversaire, nouvelle classe, nouveau bras de fer, nouvelles aventures. Valyra, donc voleur dans l'air. Je combattrai avec honneur. Et en plus, qui a le pseudo, parce que Shiv, en anglais, qui veut dire Chris qui est une carte du voleur, donc personne que j'ai en face de moi est plutôt roleplay à niveau jeu. Alors, à nous de jouer. Et on a le choix entre adversaire mystérieux qui nous sert à rien, à part avoir une 6-6 tour 6, un gardien des rois qui peut être pas mauvais, et un vengé. Et je vais opter pour le vengé, que je peux jouer directement. Le prochain tour, je pourrais pirate, puis d'après, je pourrais token. Si il fait pas pièce pirate, je suis bien. Je suis bien parce que ça va trigger le vengé. Très bien, je suis excellent. Vu que là, on va jouer le mini robot blindé. Pourquoi je joue le mini robot blindé par rapport au pirate? Le pirate a plus de chances de mourir sur une prep et vis, sur pièce et vis. Donc je préfère avoir un bouclier divin pour faire proc le venger. Hop. Très bien. Du coup, là, nous avons un repentir, un guetteur ancien, un jongleur de couteau. Forcément, jongleur de couteau qui combo très bien avec mon pouvoir héroïque. Et jouer un pirate. Nous allons trade. Ou pas. Bon, pour quelle raison je traderai? Si je trade, je vais le forcer à mettre sa 2-1 sur ma 2-2. Et du coup, faire proc le venger. Et du coup, ma 2-3 finira 5-5. Si je trade pas... Il va peut-être juste jouer une créature et aller face. Je vais trade, comme ça je le force à trade et activer mon venger. Qui, je pense, est le meilleur play à faire. Alors, que vas-tu nous jouer, mon petit voleur? J'ai vu une trade, la 2-3 qui devient une 5-5. Allez. Faut pas chercher longue défense. Bien, chasseuse de tranche-gorge. Pas spécialement dérangeant, je peux trader très facilement. Donc là, j'ai entré dans le Colisée, Bolvar Fort Dragon, ainsi que le shooter Roart. Je vais prendre Bolvar parce que dans ce bras de fer, énormément de mes créatures vont mourir. Normalement, hein, je dis bien normalement. Hop, donc là, on joue le jongleur, on trade la 2-3, on trade la 2-3 avant, parce que là, on va poser une autre créature. Et du coup, ce qu'on veut, c'est que le couteau touche la 1-1, évidemment. Et un petit peu de Hearthstone, évidemment. Never Lucky, hein. Donc le couteau qui tape face.
Après, c'est pas spécialement dérangeant. Rogue, enfin voleur, ça a pas grand-chose pour booster ses créatures. Ah, ça, c'est bien dans ce bras-là. Allez, tape pas le jongleur, merci. Du coup, là, il a quelque chose à trade avec son sanglier. Il a mat de 1. Qu'est-ce qu'il va gagner? Bien, très bien, voilà. Je suis servi. Lui, niveau pirate, il se met plutôt bien. Du coup, un deuxième Bolvar for Dragon, un purificateur écarlate. Pour l'instant, il n'y a pas de créature à Araldagoli, du coup, je vois pas spécialement intérêt. Et le nouveau secret qui est sorti avec la Ligue des Explorateurs, donc la nouvelle aventure d'Hearthstone, épreuve sacrée. Qui là va être. Qui va pas se mettre trop mal dans le contexte. Hop. Du coup, on va jouer. Le secret, pirate, un token. Il nous a joué combien de pirates? On en a trade un avec le mini robot blindé au début pour qu'il active le venger. Celui-là, c'est le deuxième. Est-ce qu'il en a joué un troisième? Oui, il en a joué un troisième. C'était une chasseuse de transbol. Du coup, là, il lui reste deux pirates dans la main. Du coup, son canon est vraiment dans l'enjeu. C'est pour ça que je vais le trade avec moi. Là, j'espère qu'il va jouer deux serviteurs, ce qui activera mon secret et détruira du coup le dernier qui posera. J'aimerais bien avoir une petite carte pour piocher. Ça m'arrange qu'il détruise mes créatures. Enfin, qu'il devient 2-2 grâce au boucanier. La carte voleur, donc, qui à chaque fois qu'il équipe une arme, lui donne plus 1 d'attaque à l'arme. Du coup, il vient d'avoir un casse-tête, sur votre c'est spécialement dangereux, vu qu'il ne va plus piocher, donc son casse-tête ne lui sert strictement à rien. Il va face. Très bien, cela n'a absolument aucun sens. Et soit. Honneur divine ne sert strictement à rien, vu que j'ai que des pirates dans mon jeu. Et Adric le pur, donc c'est un Aldor de masse, c'est vraiment pas mauvais. Gardien de combat. Gardien de Cobalt, 6-3 pour 5. 3 PV, c'est vraiment, vraiment, vraiment peu. Donc je vais prendre Eadric le pur. Hein. Une main légendaire. C'est ce qu'on aime, évidemment. Hop, du coup, là, on va simplement jouer un token. Token plus passe. Le meilleur des tours. Vu que là, on va pas. Ah, remarque, on aurait pu jouer Bolvar, une 5-7. S'il a rien pour la gérer, elle aurait pu finir la game. J'aimerais la booster au moins à 6. Peut-être pas 7, parce que s'il a récupéré une chasse au gros gibier dans la main, ça ferait extrêmement mal. Donc là, j'imagine qu'il va taper face. Tout à l'heure, il a tapé face, donc raison de ne plus taper face. Non, il ne tape pas. Du coup, humilité. Humilité me sert à rien, vu que j'ai Eadric le pur. Eadric le pur dans ma main, qui fait une égalité de masse. Du coup, je vais chef de raid. J'allais pas prendre la carte qui combatte avec les dragons, parce que il est très peu probable que j'en ai. Du coup, il est. J'ai pas assez de mana pour faire chef de raid plus Bolvar. Du coup, ce qu'on va faire. C'est trade la 1-1 dans la 2-3, trade notre 2-3, donc mettre Bolvar, on voulait donc ce que je vous ai dit, le mettre en 6-7 pour pas qu'il soit sensible aux chasses au gros gibier. Donc là on va voir s'il peut se débrouiller avec. Sachant qu'il a deux cartes dans sa main, je crois plus qu'il est pirate, là c'est que des cartes qu'il a piochées au hasard. Donc s'il survit 2-3 tours, je pense qu'il me fera juste gagner la partie. S'il met des grosses créatures, j'ai de quoi les gérer avec Eadri. Pas spécialement un souci, donc typiquement le PLMCS piloté. Très bien. Ah. Bon alors soit on joue le fun. On joue le fun et on joue ETC, donc Elite Torrent Chieftain, soit on joue le tryhard et on prend feu gain ou lumière sacrée. Moi je suis chaud de jouer le fun parce que ETC, franchement on le voit pas souvent et c'est vraiment drôle. En plus vous allez voir l'effet qu'il fait quand il rentre en scène est vraiment awesome, comme diraient les anglais. C'est parti, regardez. Il y a plein la vue avec les sons, en plus c'est magnifique.
Ah, c'est vraiment une très belle carte, hein. C'est vraiment dommage que personne ne la joue. Parce que j'adore son animation d'entrée en jeu. En plus, sur la musique, I Am Murloc, donc du groupe de musique ETC, hein, vu qu'à la base c'est un groupe de musique, c'est pas une carte d'Hearthstone. Hein. La carte leur rend juste hommage. Qu'est-ce qui rôde dans... Donc, furtif son bois fer, très bien. Très bien. Bien qu'il clean tout mon board. C'est une très bonne carte là dans la situation, ça le met vraiment bien. Quoique, mon Elite Turret Chieftain. Bon, peut-être qu'il va plus survivre du coup. Je suis bien dégoûté qu'il joue avec son golem. Bon, c'est le jeu de la vie, c'est comme ça, de rien. Deux fois qu'il prend un casse-tête, je trouve ça assez bizarre parce... Ah non, non, c'est suite tard. Oublions ce que j'ai dit, c'est des bêtises. Bénédiction de sagesse, on s'en fiche, on veut pas de pirate. On va jouer, on va prendre le maître des chevaux de guerre. Ouais. On va jouer je suis un Murloc. On va essayer d'invoquer 5 Murlocs. On en a 4, c'est la moyenne. C'est correct, on ne va pas s'en plaindre. Et là on va token plus maître des chevaux. Donc là on a un board vraiment bon. On va essayer d'aller face pour aller plus vite que lui aux dégâts. Surtout qu'on a notre secret qui fait qu'à la quatrième créature posée, ça la détruit. Du coup on n'a pas trop de raison de trade. On aura Eadric le pur pour gérer donc ces grosses créatures encore une fois. Pour l'instant on est plutôt bien. On a plus de PV que lui. On a un meilleur board. Après, le board peut disparaître sur un déluge de lames. Sur un éventail de couteaux même. Ça serait assez embêtant. C'est pas ça. Ah, donc voilà. Donc les cartes de TC, évidemment, sont des chansons du groupe. Hein. Je suis un Murloc, c'est I Have a Murloc, hein, parce que le groupe est anglophone. Et c'est les voleurs, ça vous prend par derrière la chanson complète. Hein. Donc les cartes ont été faites... On était fait en rappeur. Sinon, cela n'aurait pas beaucoup de sens. Du coup, la gardien des rois, noble sacrifice, pyromancien sauvage. Pyromancien sauvage, sachant que sur mon board, toutes mes créatures ont 1 HP, on va éviter. Noble sacrifice, c'est pas dégueulasse. Mais on va favoriser le gardien des rois, surtout qu'on a 14 HP. En plus, ça fait un board solide. Donc là, on le joue directement. Il a 2 créatures en face. Il représente pas une grande menace. Que je vais en trade j'économise 4 points de dégâts. Hein. J'ai dit qu'on irait face, mais bon, faut pas oublier de ne pas mourir, évidemment. C'est quand même le but principal du jeu. Donc là, on est remonté à 20 HP. On a vraiment beaucoup de HP. On a le board beaucoup plus conséquent que lui. Je me répète encore, Eadric le pur pour gérer son futur board. Il y a juste une chose, on n'est pas très bien, c'est au niveau des cartes, mais bon, ça n'en est plus rien. Larsin, j'espère qu'il ne va pas voulu être consécration d'égalité. Non, pour l'instant, c'est un secret. Le petit coquin, il nous cache des choses. Il a des secrets. Il va essayer de découvrir lequel c'est. Donc ça, c'est le cut purse, le vide goussé qui, à chaque fois qu'il attaque, donne une pièce dans la main du propriétaire. On va le trade directement. On va d'abord attaquer avec la 1-1 au cas où que ce soit un noble sacrifice, ça serait assez embêtant. Épreuve sacrée, on en a déjà un, on a vu qu'il était vraiment très 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 utile sur ce bras de fer vu qu'il a toujours pas proc depuis 10 tours. MDR, la bonne blague. Vraiment un secret complètement inutile pour le moment. Adversaire mystérieux, on n'a pas de secret dans le deck donc on s'en fiche un peu. Du coup on va jouer la goule mangeuse de chair, on va la poser. Si c'est un repentir comme ça va le faire proc directement. N'en est pas un. On va token, voir si c'est justement une épreuve sacrée. Absolument pas. Du coup, on va attaquer avec la 1 en premier pour tester le noble sacrifice. Et c'était bien ça. Du coup, on utilise notre gardien des rois. Et en même temps, en profiter pour la goule. La goule qui vient de prendre 3 d'attaque grâce à ça. Donc là, j'ai 11 de dégâts sur le board. Pour l'instant, avec ce qu'il a, il peut juste me gérer la goule en prenant 5 points de dégâts toutefois. Donc c'est vraiment bien pour moi.
avoir avec ce qu'il a dans la main, ne pas oublier qu'il m'a encore volé un sort paladin, vu que le leurre saint donne deux paladins et non un unique. Préciser le noble sacrifice, donc il en reste un. S'il joue un secret, je peux me douter que c'est à nouveau un noble sacrifice. Pourquoi? Parce que il en a joué un tout à l'heure, et comme les secrets paladins coûtent un, je vois pas pourquoi il aurait pas joué le deuxième secret. Je vois pas pourquoi il aurait pas joué le deuxième secret le tour d'avant, ça n'aurait plus aucun sens. Très bien, donc là il a touché la carte paladin qu'il a justement dans sa main. Ça ressemble à une consécration. Enfin, vu ce qu'il vient de faire, ça ressemble à une consécration. Donc là, c'est une consécration. Il trade la 2-2 dans la 5-4 et il clean tout mon board. Au détriment du sien, évidemment. Éventail de couteau. Il avait colisé. Très bien. Donc là, il va trade mon board gratuitement. Parfait. Alors, Balvar, Fort Dragon, Garde-Paix de l'Aldor, Humilité. Trois cartes les plus inutiles au monde. Pourquoi? Balvar, Fort Dragon, j'ai aucune créature sur le board. Donc, son effet ne va servir à rien. Humilité, j'ai déjà Eadric le Pur dans ma main. Donc, ne me sert à rien. Garde-Paix de l'Aldor, même effet qu'Humilité et Eadric le Pur. Donc, ne me sert à rien. Donc, on est content de ce tour-là, évidemment. Et comme... Et les joueurs, on prend des légendaires, hein. On aime tout ce qui brille, nous, évidemment. Et on va absolument pas le regarder dans la main. Là, on va juste essayer qu'il tue nos tokens qu'on va faire. Toutes nos créatures, et de le finir à coup de Bolvar, Fort Dragon. Bolvar, hein, qui est le roi Lich. Le roi Lich dans Bolvar. Je vais me cacher derrière. Oui, successeur d'Arthas, évidemment. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Oh. Bon, Bolvar Fort Dragon. Est-ce que j'ai besoin de réexpliquer pourquoi il ne nous sert à rien? Je ne pense pas. C'est notre troisième qu'on a dans la partie. On va s'en passer cette fois-ci. Main de protection. J'ai pas envie de dire qu'on s'en bat les steaks, mais un petit peu quand même. Et en plus, comme on aime tout ce qui brille, tout ce qui a tous les dragons et tout, on va prendre une légendaire encore, la petite Alexstrasza. On ne va pas la jouer tout de suite. Pourquoi? Question, réponse. Parce que là, je vais aller face. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que j'ai mon secret, épreuve sacrée, qui détruira le serviteur qui mettra le prochain tour, s'il en met un toutefois. Ce qui fait que en dégâts maximum, il a 4, 2, 6, plus 3, 9, plus 1 de l'arme, 10, plus le casse-tête, 12. Il me tue sur rien, même sur éviscération, je ne meurs pas. Du coup, on la garde, on va juste token et taper. Il a une charge, on s'en fiche également. Pourquoi? Parce qu'elle sera détruite grâce au secret que l'on a. Donc voilà, là on espère qu'il va jouer un mob, comme ça ça va le détruire. J'espère que ce sera un mob qui coûte bien 10 de mana, qui puisse rien jouer d'autre dans le tour, évidemment. Hein. On est comme ça. Hein. On est bad manners. Que vas-tu faire, mon cher ami? Allez, pose le monstre que tu viens de piocher. Pose. Pose, mon... N'aie pas peur. Il est chiant, après. Pas ce qui était prévu, ça. Ah oui, j'avais oublié qu'elle gagnait sur Ilévent. Bon, ça lui fait 3 de dégâts en plus, mais je pense pas qu'il est létal, surtout qu'il a attaqué dans mon petit mob. Enfoncez-vous dans les ombres. Très bien. Donc là, il joue le casse-tête, comme prévu. Je suis à 6. Je suis à 6. Legendary everywhere. Alors, garde-paix de l'Aldor, on réexplique pourquoi il est inutile. Et Eadric le Pur dans la main, garde-paix de l'Aldor, on s'en contrebalance. Ma protection également, Maligos. Je me demande. Maligos, on s'en fout aussi. Donc là, on peut tout prendre à part le garde-paix de l'Aldor. Là, il garde thé. Oui, moi j'ai des gardes pour mon café et mon thé, évidemment.
Donc, main de protection, si on joue à l'extra à ce tour-là, je pense pas que c'est cela qu'on va faire. On a 6 de mana. Si on va agir et vite, on est mort en fait sur casse-tête. Du coup, si on va jouer à l'extraza et on va prendre la main de protection pour la jouer avec. Du coup, à l'extraza, main de protection, j'ai une attaque. Une connerie, ce qui est fort probable que je n'en dise pas. Il ne me tue pas vu qu'il a 4, il a 4 plus 6, 10, il a 12, il a 13, il a 15, il m'a tué. Bon, très bien, je raconte énormément de conneries, donc j'ai perdu. Oui, il a vu le létal quand même. Ok. Et donc, c'est la défaite. Ça s'est pas joué à grand chose. Je sais pas trop où j'ai misplay. Si vous le voyez, n'hésitez pas à le dire. Hein, parce que ça se peut que j'ai misplay. Hein. Je suis pas non plus au meilleur joueur d'Hearthstone. Hein. Voilà, c'était Trimano. Désolé, j'ai pas réussi à gagner cette semaine. Hein, mais on va essayer de se rattraper la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à suivre Rivasoon de partout, Facebook, Twitter, Steam, où vous voulez, YouTube aussi, évidemment, tous les liens sont dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, et je vous dis à la semaine prochaine pour un bras de fer que j'espère on passera avec brio, et salut salut!